Les amis, on est là, on est réunis, on est présents, on est ensemble. Bienvenue dans ce 24e épisode de Moonshade. Et aujourd'hui, on va poursuivre l'aventure. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Donjon de Sable avec des créatures qui sortent là de terre. Eh bien, on va voir ça de plus près. A tout de suite. Alors les amis, on est de retour dans les cryptes sardoniques. Attends, qu'est-ce qu'il y a au fond? On va voir ça plus près. Alors dépêchons-nous. Les murmures. Voilà. Allez, faut se dépêcher. Allez. Voilà. Alors les amis, on est de retour et du coup on a vaincu tous les ennemis. Alors c'est quoi cette statue rouge? Tiens, au plan. Vous avez trouvé une nouvelle note. J'ai enfin trouvé la statue, je vais rouler sur l'or. Ah. Merde. Ok, pendant 4 heures on est malade. Du coup, les amis, c'est vraiment pas cool. Y a vraiment rien d'autre? Ok. La porte est bloquée. Une pierre tombale. Attendez voir, c'est nos noms qui sont gravés sur cette pierre tombale. Cela ne présage rien de bon. Ah, ben voilà. Voilà, les amis, on y arrive. Alors, les amis, on est de retour. Et on va poursuivre notre exploration du donjon, écoutez. Il s'agit... Ah, oulala. Ouais, déjà, il y a une espèce de mini. Alors, attendez. Il s'agit d'un traité sur les vertus de la patience et sur combien de profonds instants de méditation intérieure peuvent ouvrir de nouveaux sentiers sur le tracé de notre voyage existentiel. Il y a expliqué de façon détaillée comment nous pouvons laisser une empreinte profonde et indélébile sur les sables du temps perpétuel. Oui, bon, ça va, c'est super barbant, on n'a pas le temps. Ça s'appelle de la philosophie, messieurs. Venir, écoutez, venir. On va plutôt se replier, les amis. J'ai pas l'impression qu'on soit bienvenu. Et merde. Les amis, on est de retour. On va devoir tous retaper, par contre. Ça, c'est chiant. On va passer par là, on va aussi passer par là. Ah! Merde. J'ai besoin d'une clé. Parfait. Ok, il n'y a rien. Voilà. Ok, ça va.
eux ça va. Ok. Il n'y a rien. Vous avez trouvé la compétence gel. Gèle un adversaire pendant 4 secondes. Ça peut être intéressant. Okay, la porte est bloquée. Alors les amis, on est de retour ici. Et on va essayer de vaincre les ennemis. Qu'est-ce qu'il y a ici? Pierre tombale. Pierre tombale. Bref, on va essayer de les vaincre. C'est juste que c'est assez dur vu que c'est un labyrinthe, les amis. Ok, là il y a un. Ok. Donc, les amis, on est de retour et là on va le faire souffrir, le squelette de merde. Eh bien les amis, on est de retour du coup. Vous avez besoin d'une clé? Aïe 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 aïe. Donc les amis, on est de retour et je sais pas comment, mais cette porte s'est ouverte. J'ai fait ça, cette porte s'est ouverte. Donc je sais pas trop, mais ça va être un petit bug. Voilà. Bon bah on poursuit. Ah voilà. On va continuer notre exploration. Il y a pas mal de grandes salles. Ça risque de poser problème à longue. Et là, il y a besoin de clé. Là, il n'y a rien. Je suis un mur. Ça, je m'en doutais. Ça, je m'en doutais, les amis. Ok, donc on est au niveau de ce coffre. Là, toi par contre, tu vas pas nous avoir deux fois. Voilà. Allez, ils sont où les zonzons? Donc les amis, on est de retour. Et on dirait que c'est un faux coffre. Ah voilà. Il est là le vrai. Un faux coffre. C'est bien imaginé. Retour. Et. Alors attendez. Cet objet. Parfait. On a une clé. Et on va voir là où on peut s'en servir. Les amis, on est de retour. Et voyez, on peut utiliser cette jolie petite clé. On a un téléporteur. Il y a peut-être un moyen de l'activer. Ah, message. Lorsqu'un homme transporte un instrument violent, il trouvera toujours une excuse pour l'employer. Ok. Donc les amis, on y va. Ok.
Alors les amis, bonne nouvelle, je viens de trouver un passage ici. Donc devant la salle là en fait. C'est une bonne nouvelle. Les amis, on arrive ici. Au niveau de ce coffre-là. Oh, parfait. Ok, on le retrouve ici. Alors, je vais vous montrer. En fait, faut prendre le téléporteur de gauche, celui de droite, encore celui de droite, et celui-là. Voilà. Eh bien, les amis, on est de retour. Je vois pas comment on peut continuer à avancer dans le donjon, hélas. Et on verra ça, du coup, la semaine prochaine. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura diverti. Et on se retrouve jeudi prochain pour le nouvel épisode. À plus. Et n'oubliez pas.